avec les collègues membres du gouvernement, nous sommes passés aujourd'hui sur le site de construction du nouveau centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso pour toucher du doigt les réalités de ce chantier de haute importance pour le gouvernement de transition. Nous avons pu nous rendre compte de ce que les travaux se passent très bien. Nous sommes rendus à un taux d'exécution physique de 80% pour un délai consommé de 73%. Ça veut dire que les travaux avancent même plus vite que le délai qui est prévu. Et nous avons pu aussi nous rendre compte de la qualité des infrastructures qui vont nous être rendues. Et c'est l'occasion pour moi de, au nom des membres du gouvernement, de magnifier la qualité de la coopération avec la République populaire de Chine qui va nous permettre d'ici mars-avril 2025 de disposer de cet hôpital de niveau international.